se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Fifi. Aujourd'hui, coloriage. Dernière vidéo sur le coloriage des gnomes. Voilà, ça y est, c'est la dernière vidéo. Alors, désolée, hein, vous avez des vidéos un peu dispatchées en ce moment. Mais bon. Je suis pas mal occupée, puis là j'ai des examens médicaux en ce moment, donc bon, on peut pas être partout en même temps. Donc aujourd'hui c'est la dernière vidéo. Voilà, donc vous allez voir la fin de ce coloriage. Dans ce coloriage, donc il va y avoir la fin de ce que je colorie, je ne sais plus ce que c'est, mais enfin bon, vous verrez. Et le fond, voilà. Donc le fond, je l'ai fait avec les pastels tendres de Faber-Castell, voilà. Tu veux des câlins? Oh, elle veut des câlins. Elle veut des câlins, ma fifi. Donc là, ce sera la dernière fois pour ce coloriage. Il était temps, hein? Oui, hein? Donc le prochain, je ne sais pas ce que je ferai encore. Je sais que j'ai toujours le défi à Ludovic à faire. Oui, des gros bisous. J'ai droit à des gros bisous. J'ai toujours le défi à Ludovic à faire. Bon, là, cette semaine, ça va être un peu hard. Pourquoi? Parce que, bon, là, demain, alors demain, c'est déjà aujourd'hui, quand on va regarder la vidéo, examen médicaux encore, j'ai une scintigraphie à faire. Donc, ça va être, je vais avoir une grosse partie de la journée qui va être prise. Donc, là, aujourd'hui, ben, il n'y aura rien de fait. Voilà. Et puis, on a la pièce qui est ici, qu'on va refaire un peu. Enfin, refaire. C'est les grands mots. Hein. On va tapisser un mur et on va remettre en peinture les autres murs. Voilà, pour rafraîchir un peu. Parce que bon, bah, depuis qu'on est là, on n'a rien fait sur les murs. Et donc, on espère que maintenant qu'on va faire les murs, que vous savez, je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais nous, on avait fait une demande de mutation pour avoir une autre maison, pour être au calme, puisque ici, ce n'est pas calme du tout. Donc, j'espère que maintenant qu'on va quand même se remettre, attaquer quand même les peintures et les tapisseries, qu'on va pas recevoir un courrier en nous disant « ça y est, on a une maison pour vous ». Ce serait ballot. Enfin bon, on verra. Là, on attaque notre une, deux. Donc, on a attaqué ce mois-ci notre troisième année de demande de mutation. Donc, mais bon, c'est toujours long hein, en social. C'est toujours très très long pour avoir un autre logement. Surtout que nous, là, maintenant, nous, on demande un logement toujours en maison, mais en plein pied. Voilà. Par rapport à notre état de santé, bon, par rapport au mien d'état de santé, et puis à celui à Chouchou, parce que lui, il a une broche dans la jambe. Et puis, bon, monter l'escalier, là, ça... Ça va, mais bon, il y a des jours où il a du mal. Et puis, il vieillit un pépère. Il va sur ses 65 ans, donc il arrivera un jour, bon, ça fonctionnera beaucoup moins bien. Donc, si on pouvait avoir un plein pied, ce serait bien. Et moi, vous l'entendez, hein, quand je vais faire les vidéos dans l'atelier, je suis très essoufflée alors qu'il n'y a qu'un seul escalier à monter. Donc, voilà. Mais malgré qu'on a mis les certificats médicaux, c'est pas pour ça que ça va plus vite. Donc, voilà. Bon. Je referme les parenthèses. C'était pas le but de la vidéo. Mais bon, je vous raconte toujours un petit peu ce qui se passe un peu ici à la maison en même temps.
Pardon. Sinon, ben, rien de neuf. Les filles, elle fait toujours un petit peu atchoum, moins, mais elle fait toujours un petit peu atchoum. Donc, on l'a changé de. Parce qu'elle avait sa chaise, elle a une chaise. En plus de son arbre à chat, en plus, bon, ils ont tous des places où ils peuvent se mettre un peu partout. Mais donc, elle avait une chaise dans la pièce de devant, devant la fenêtre. Mais avec toutes les plantes. Vous savez, c'est ma pièce où il y a toutes les plantes. Et du coup, je me suis demandé si c'était pas soit à cause de la fenêtre qu'il y aurait eu des courants d'air, ou soit à cause des plantes, qu'elle aurait fait une petite allergie. Puisque là, j'ai ramené des nouvelles plantes. Alors, du coup, on a remis sa chaise ici, bah, à côté de mon bureau. Pour qu'elle n'aille plus par là dormir. Donc là, ça, on dirait que ça se calme. Donc je pense que ça devait être ça, soit par rapport aux plantes ou la fenêtre avec les courants d'air. Parce que ici, c'est pareil, hein, c'est la maison des courants d'air. Hein. Là, ça commence à se calmer, son atchoum. Ça commence à aller mieux, mais bon. Donc, je pense que c'était ça qui. Il y a peut-être une plante qui l'a rendue allergique ou je ne sais pas. On ne sait pas. Alors, voilà. Sinon, bah, rien de neuf, rien de prévu. Là, moi, je suis toujours en train de m'occuper de mon jardin, de mes petites plantes, justement. Là, en ce moment, j'évite bah, j'évite le voisin parce que il nous a dit qu'il était malade, donc qu'il avait attrapé ben, le Covid. Alors, au début, il nous a dit qu'il avait la grippe. Ouais, la grippe. Personne n'a eu la grippe depuis 2 ans. Et lui, il attrape la grippe en plein mois d'août, d'accord. Et après, le lendemain, il nous a dit, ben, non, j'ai le Covid. Puis il dit à tout le monde, bon, il fait bien de le dire à tout le monde, mais monsieur va faire ses courses. Alors, ça m'énerve. Alors, il m'énervait déjà avant, mais alors là, il m'énerve encore plus. Parce que. Bon, il a une femme qui est malade, hein, une épouse qui est malade, qui elle ne peut pas bouger de chez elle, mais bon, lui là en ce moment il est malade, mais il prend sa voiture et puis il va faire ses courses en ayant le Covid. C'est super, avec des gens comme ça, on va vite, vite ne plus avoir ce virus. Donc là je l'évite de plus en plus. De toute façon, moi, il y a la clôture, il y a le. Heureusement, il y a le comment, il y a un parapet entre nos cours. Mais non, maintenant, je reste loin de moi. donc voilà. Ouais, alors donc demain, c'est la scintigraphie. Là, ce matin, c'était la prise de sang. Fin de semaine, c'est le docteur. La semaine prochaine, c'est le neurologue. Et après, ben, je vais savoir pour ben, ça, pour l'opération. J'attends, puisqu'il faut avoir le résultat de tous les examens. Donc après, je saurai quoi. Je vous dirai, je vous tiendrai au courant pour ça. Bon, allez, j'arrête mes petits blabla. Donc là, vous allez voir la fin de ce coloriage que j'ai beaucoup aimé faire. Le résultat est superbe. J'aime beaucoup le résultat. J'aime bien les couleurs que j'ai choisies. C'est un peu pétant, mais j'aime bien. Ah, si, j'avais un truc à vous dire. Je vais vous en parler maintenant. Mais j'attends une réponse pour ça. Alors, vous vous rappelez
Hop, 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 merci. Que j'avais acheté la palette de pastel. Hop, je vous la remontre. Winsor & Newton, donc celle-ci. Voilà. Et je vous avais montré en vitesse. Donc là. C'est ça que je voulais vous dire. Alors, elle est où? Ouais. Pardon. J'avais fait le nuancier. Et en faisant le nuancier, donc j'ai bien fait de faire le nuancier parce que c'est vrai qu'il y avait des couleurs que je n'arrivais pas trop à voir ce que c'était. Et en faisant le nuancier, vous vous rappelez quand j'avais fait la présentation, je vous avais dit j'ai deux blancs et deux noirs. Et j'avais vu dans d'autres vidéos que beaucoup disaient qu'ils avaient deux blancs et deux noirs, qu'ils trouvaient ça normal. Donc j'ai dit bon ben moi j'ai aussi deux blancs et deux noirs, donc c'est normal puisque les autres les ont. Mais j'ai pas seulement deux noirs et deux blancs. J'ai aussi dans les rouges j'ai un doublon. Dans les bleus, j'ai un doublon. Dans les ocres, j'ai un doublon. Dans les noirs, j'ai un doublon. Et dans les blancs, j'ai un doublon. Donc, ce qui me fait que j'ai 5 doublons. Donc, ça fait que bah, si je compte, il me manque 5 couleurs en ayant 5 doublons. Donc, j'ai envoyé un message. Oula, achoum! Donc j'ai envoyé un message au vendeur qui est sur Amazon, pas Amazon, hein, directement au vendeur qui est sur Amazon, qui vendait donc cette palette, en lui faisant comprendre mon mécontentement, parce que c'est quand même une palette qui coûte plus de 45 euros. Donc si c'est pour avoir des doublons dans une palette à ce prix-là, j'en vois pas l'utilité. Donc là, il m'a répondu qu'il allait voir avec le responsable de la boutique. Et bon, puis comme là, ça tombait week-end, j'ai pas encore eu la réponse. Donc je pense avoir la réponse ici dans les jours qui viennent. Désolée, j'ai un chat. J'ai pas reçu le truc du voisin, vous inquiétez pas. J'attends sa réponse pour voir ce qu'ils vont faire parce que là j'ai pété un câble quand même dans mon message, c'est tout à fait normal parce que bon, je vous dis hein, 45 euros, plus de 45 euros, il y a 45 couleurs normalement, donc 45 godets dans la palette. Donc, ça fait quand même 1 euro le godet. C'est des demi-godets. Donc, ça me fait quand même. Il me manque 5 euros de couleur. Voilà. Moi, le calcul est comme ça. Soit il me renvoie les couleurs qui manquent. Soit il me refait un bon d'achat. Soit il me revoit. Voilà. Moi, je sais. Il me trouve une solution. Donc, j'attends le résultat. Mais là, bon, c'est vrai que je ne suis pas contente du tout, parce que c'est quand même de la marque. Et là, la Didite, elle n'est pas contente. Pas contente du tout, du tout, du tout. Non. Parce que j'ai dit, bon, j'ai voulu acheter de la marque pour être tranquille. Et puis, ben là, j'y suis pas. Voilà. Donc, pardon. Donc, je vous tiendrai au courant. Je vous dirai ce qu'il y en est. S'il m'a répondu. De toute façon, si je vois que d'ici 2-3 jours, j'ai pas, il me répond, enfin, qu'il me donne pas suite à sa réponse, je vais renvoyer un message et puis voir ce qui se passe. Mais bon, je vous tiendrai au courant pour ça. Voilà. Donc, s'il y en a certains d'entre vous, enfin, certaines d'entre vous qui ont cette palette, la Winsor & Newton, donc la 45 godets, hein, dites-moi si vous avez eu le tout également.
d'avoir eu des doublons dans les godets de couleurs. Dites-moi, est-ce que je suis la seule ou pas? Parce que là, bon, cinq couleurs, c'est quand même. Sur un coin, était un. Bon. Deux, comme les symboles, certains ont eu, le, je vous dis, le noir et le blanc. Mais là, cinq, non. J'ai, ça passe pas. Elle est là. Non. Quand ce serait encore des produits du bas de gamme, voilà. Bon, on se dirait, ouais, c'est du bas de gamme, ça, on comprend. Mais là, c'est quand même des produits d'artistes. Donc normalement, ça doit être à la hauteur, voilà. Ou alors c'est fabriqué en Chine. Et ils nous font passer ça pour des produits artistes. Voilà. Bon. J'ai fait ma petite gueulante. Enfin, ce n'est pas une gueulante, mais je voulais vous en parler. Allez, je vous laisse regarder cette petite vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous, bon visionnage.
Thank you.